Il s'appelait Jérémy et vous l'avez sûrement rencontré. Il s'appelait Jérémy, mais il aurait pu s'appeler tout autrement. Pierre, Paul, Jacques, que sais-je encore. Il s'appelait Jérémy, mais vous l'avez sûrement côtoyé. Jérémy a fermé sa boutique pour aller vivre sous d'autres cieux. Jérémy a fermé sa boutique, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Il habite maintenant au 12e bloc, des 4 appartements 102. Comme tant d'autres, il travaille à la chaîne pour nourrir sa femme, mais ses 3 morveux. C'est la complainte de l'épicier, c'est le blues du paumé. C'est la complainte de l'épicier, c'est le blues de l'exilé. Quand il rentre du boulot à 18h, Jérémy a le cœur malheureux. Il est loin le temps du pot de beurre, des légumes et des fruits savoureux. Son commerce était bien sympathique, les clientes aimaient bien Jérémy. Elles venaient le voir dans sa boutique pour acheter et confier leurs soucis. C'est la complainte de l'épicier, c'est le blues du paumé. C'est la complainte de l'épicier, c'est le blues de l'exilé. Un jour ses légumes se fanèrent, son magasin devenait désert. Sa caisse n'enregistrait que le vide, et son front se couvrait de rides. À côté de la petite épicerie, un géant était venu s'installer, dévorant les clientes éblouies. Le géant s'appelait Supermarché. C'est la complainte de l'épicier, c'est le blues du paumé. C'est la complainte de l'épicier, c'est le blues de l'exilé. Il s'appelait Jérémy, Jérémy a fermé sa boutique. Tout le monde l'a sûrement oublié. Il était pourtant bien sympathique, mais il faisait partie du passé. Je ne juge ni ne blâme personne, car moi aussi je pousse mon caddie. Dans ces lieux où la musique résonne, je fais une prière pour Jérémy, pour Jérémy, pour Jérémy, pour Jérémy. Il s'appelait Jérémy.